Ben, bonjour Pierre-Thomas. Bonjour, j'enlève le masque parce que on est loin. Alors, vous êtes professeur émérite à l'École normale supérieure de Lyon. Voilà, émérite, ça veut dire retraité. Et donc, vous êtes géologue et vous travaillez généralement à plus de 50 millions de kilomètres d'ici. C'est ça. C'est bien ça? Donc, Pour ma recherche, parce que pour l'enseignement, hélas, je fais ça sur place. comment vous définisseriez votre travail? Vous êtes planétologue, Voilà, c'est bah le c'est comme terme? ça. Log, ça veut dire que je fais des discours sur les planètes. Ok. Comme le géologue fait des discours sur la Terre. Et plus précisément, parce que la planétologie, j'imagine que c'est relativement vaste Ah oui. comme domaine. Alors, on peut étudier plein de choses en planétologie, l'atmosphère de Jupiter, le champ magnétique de Saturne. Moi, c'est la géologie des surfaces solides. Par exemple, les nuages de Jupiter, c'est absolument pas mon sujet. Par contre, les volcans qu'il y a sur Io, qui est un satellite de Jupiter, ça m'intéresserait. Ok. Et avez-vous déjà été sur Mars? Ça dépend ce que vous appelez aller sur Mars. J'ai déjà touché des morceaux de Mars, qui sont des météorites, venues de Mars. Quand vous avez une grosse météorite qui tombe sur Mars, il y a plein de petits débris qui jaillissent. Il se peut qu'un de ces débris, après un certain nombre de voyages de millions et de millions de kilomètres, tombe sur Terre. Et on a donc des morceaux de Mars dans les collections. J'ai déjà touché Mars, mais ça s'arrête là. Et c'était même pas à moi, il fallait que je le touche avec précaution. Alors donc vous travaillez sur les surfaces solides, Oui. dont la planète Mars. Dans la planète Mars. Et sur quel type d'outils, de données vous vous appuyez pour travailler justement sur Mars? Qu'est-ce qu'on a comme données disponibles pour comprendre cette planète, hein? Moi, j'ai travaillé essentiellement sur les photos, donc le paysage, et les cartes topographiques, donc qui permettent d'avoir le relief, les pentes et tout. Depuis quand on a des photographies justement de la surface de Mars et qu'on peut justement comprendre sa topographie Alors, bon, grosso modo, pour simplifier, c'est Mariner 9. Oui, Mariner 9. C'est une sonde américaine qui a été mise en orbite autour de Mars, de mémoire, en 71. Avant, il y avait deux sondes qui avaient fait que passer, Mariner 4 et Mariner 6, où là, c'était très décevant parce que par hasard, elles étaient passées. Elles avaient pris que quelques photos. C'était de la technologie des années 70, enfin plutôt 65. Elles avaient pris que quelques photos et par hasard, ces photos avaient photographié des régions avec que des cratères. Ça ressemblait à la Lune. On ne voyait pas de volcans récents, on ne voyait pas de vallées, etc. Donc, ça avait été très, très décevant. Et quand Mariner 9 s'est mis en orbite autour de Mars, c'était également très décevant pendant à peu près un bon mois, parce que sur Mars, il y a des tempêtes de poussière qui arrivent tous les 2 ans. On ne le savait pas à l'époque. Et quand Mars s'est mis en orbite autour de Mars, on ne voyait plus rien, parce qu'il y avait une énorme tempête de poussière et on ne voyait rien. Et pendant longtemps, les Américains disaient, ça y est, la sonde ne marche pas. Alors heureusement, quand ils braquaient leur caméra sur les étoiles, ils voyaient que les étoiles étaient nettes. Donc ce n'était pas la caméra qui ne marchait pas, il y avait quelque chose. Et progressivement, la poussière est retombée. Et ils ont vu sortir du nuage de poussière les hautes montagnes, Olympus Mons, qui était vu en premier. Et au bout de 2, 3 mois, on a vu alors, des volcans, et surtout des vallées sèches, mais des vallées quand même. On serait cru en train de survoler le Sahara ou l'Arabie avec des vallées sèches. Comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là où l'intérêt, disons, pour voir si Mars aurait pu abriter une forme de vie très primitive, est reparti. Alors là, on parle des satellites qui ont Et qu'on capté l'a des mis en photographies de orbite. Mars mis en orbite. On a vu qu'il y avait également des robots qui avaient été des robots statiques, même des robots mobiles, Voilà, alors qui ont ça a dû voir ces tempêtes commencé, le aussi. premier robot qui était statique, il y en avait eu deux, c'est le Viking 1 et Viking 2, de mémoire 176 aussi. Ils se sont posés sur Mars, ça a très bien marché. Et alors ils ont découvert des tas de choses, la température, la pression, justement on a compris les tempêtes, la pression qui variait. Par contre, ces robots, les gens qui les avaient mis au point avaient été un peu, comment on va dire, ils avaient preuve un peu de géocentrisme. Ici, il y a de la vie, ça sera comme sur Terre. Et ils avaient mis grosso modo quelque chose qui, posé sur Terre, aurait détecté de la vie, mais de la vie à la mode terrestre. Moi, je sais que j'étais en vacances en Égypte. Il y avait un journal français qui paraissait une fois par semaine. C'était en 76, j'étais avec ma deux chevaux en Égypte, j'étais jeune. Et j'avais acheté le journal, et le titre c'était que le sol de Mars respirait et photosynthétisait. Enfin, comme s'il respirait et comme s'il photosynthétisait. Puis ça y est, David. Puis la semaine d'après, ben non. Parce qu'il a fait des analyses de matière organique, il n'y en avait pas. Donc, voilà.
Justement, la question s'est posée pour accélérer la recherche sur Mars, d'envoyer des astronautes plutôt que des robots pour faciliter le travail. Mais est-ce qu'au final, c'est plus avantageux d'envoyer des robots que des humains? Tout dépend. J'ai l'habitude de dire la mission Opportunity. Le robot a fait une cinquantaine de kilomètres. Je crois que c'est pendant 14 ans. Si un bon géologue arrivait sur Mars avec une Jeep lunaire, comme ce qu'avaient les dernières missions Apollo, une Jeep comme ça qui se rechargeait, en une semaine, il aurait fait le même travail et certainement bien mieux. Mais ça aurait coûté 100 fois plus cher. Parce qu'en général, il faut prévoir d'abord qu'il se pose, puis ensuite de le ramener. Mais surtout les questions financières qui se posent, puis de la santé sans doute des astronautes. Alors, il y a la santé des astronautes. Alors, santé mentale, ça, j'y connais pas grand-chose. Mais je trouve qu'on fait trop de... On insiste trop sur la santé mentale. Il y a des gens qui passent, hélas, plus de 9 mois en prison, isolés, dans des conditions, etc., et on s'apitoie pas beaucoup de choses. Car Magellan est parti. D'ailleurs, lui-même n'est pas revenu, parce qu'il est mort aux Philippines. Ils sont partis 5 ans. Et quand ils étaient au milieu du Pacifique, ils ne pouvaient pas envoyer un mail à leur femme en disant « Chérie, comment ça va ?» Alors que quand vous êtes au milieu de l'espace, vous pouvez envoyer le mail à votre femme. Bien sûr, il va même être 10 minutes pour arriver à votre femme. Et votre femme va répondre « Ça va très bien, chérie. » Vous avez la réponse au bout de 20 minutes. Magellan n'avait pas la réponse. Quand vous allez sur Mars, vous savez où vous allez. Magellan ne savait pas où il allait. Donc, on a un peu des soucis de riches. Si les gens sont volontaires, il y a bien des gens qui sont volontaires pour se faire injecter des tas de vaccins, il y aura certainement des volontaires pour aller sur Mars avec des risques. Il faut évidemment qu'ils soient volontaires. Ce qui n'était pas forcément le cas de tous les marins de Magellan. Les officiers, oui, les marins, je ne sais pas. Donc, mais il y aura des problèmes psychiques et puis il y aura des problèmes physiques. C'est si pendant qu'ils sont dans le voyage, il y a une éruption solaire. Le vent solaire n'est pas très gênant en temps ordinaire. Mais s'il y a une éruption solaire, ça peut être très grave. Alors, quand ils sont sur Mars, il suffira d'installer une petite base à côté d'une grotte. Et on sait où il y a des grottes sur Mars. Ce n'est pas des grottes calcaires, hein, c'est des grottes dans des basaltes. Donc, on peut se mettre à l'abri. Mais c'est pendant le voyage. Il y a 9 mois de voyage. Voilà. Mais c'était le cas sur la Lune, on n'avait pas trop pensé. Pendant les 3-4 jours qu'il faut pour aller sur la Lune, dès que vous sortez ce qu'on appelle les ceintures de Van Allen autour de la Terre, s'il y a une éruption solaire, vous en prenez plein la gueule. Et là, ça aurait pu être grave. Donc en 9 mois, il y a de fortes chances que si un équipage va sur Mars... Ça dépend quand on se compare. Il y a le Soleil, il y a des périodes actives, des périodes calmes. Si on se part au milieu d'une période bien calme, les probabilités sont plus faibles. Et puis sinon, ils disent que dans le vaisseau, il y aura un tout petit coin. Alors soit blindé avec de l'eau, soit avec des fils électriques, des champs électriques, où vous allez passer, je ne sais pas, 3-4 jours comme une momie dans un sarcophage en attendant que ça passe. Bon, ça, ça se discute beaucoup. Vous pouvez faire ça 3-4 jours. Vous ne pouvez pas faire ça 3-4 mois. Enfin, encore qu'il y ait des prisonniers. Hein. Rappelez-vous Louis XI, il mettait les gens dans une cage de fer, ils ne pouvaient pas se mettre debout. Et pour revenir à ces missions martiennes actuelles, donc robotisées, oui. Quels étaient les grands objectifs de ces missions, justement? Alors, il y a deux objectifs. L'objectif populaire et l'objectif, il n'est pas impopulaire, qui est inconnu. L'objectif inconnu, c'est comprendre la planète. On veut comprendre pourquoi la Lune est comme ci, pourquoi Vénus est comme ça, pourquoi Mars est comme ça. Par exemple, quelle est l'origine du volcanisme sur Mars, etc. C'est intrinsèquement très intéressant. Ça ne passionne pas les foules. Parce que les gens, y a-t-il du calcium dans les pyroxènes ou pas bon. Ce qui passionne les foules, c'est les problèmes de vie. Parce que si on trouve qu'il y a eu de la vie, voire qu'il y a encore de la vie, ce serait une vie différente, hein. Sur Mars, ça a des implications, je dirais, philosophiques, voire religieuses. Je ne sais pas comment les intégristes religieux expliqueront la vie, est-ce que Dieu a fait la vie, etc. Mais il y a longtemps, les gens se posaient la question. Giordano Bruno, qui a été d'ailleurs brûlé par notre Sainte Mère l'Église, hein, il n'y a pas que les intégristes musulmans, il y a des intégristes chrétiens, etc. Aller en Pologne, il y a des choses qu'il vaut mieux pas dire. Certains pays évangélistes, États américains, il faut mieux pas le dire non plus, qui avait prétendu que toutes les étoiles étaient des soleils. Il avait raison. Qu'autour des soleils, il y avait probablement des planètes. Il avait raison. Maintenant, c'est au moins les 3/4 des étoiles ont des planètes. Que sur ces planètes, il y avait... Alors, il ne disait pas de la vie, parce que la vie et l'homme, c'est pareil. Il y avait des hommes. Alors ça, on n'en sait rien. Des hommes, je serais prêt à vous parler qu'il n'y en a pas. De la vie, c'est autre chose. Mais des hommes avec deux nez... Enfin, un nez, deux yeux... Comme on dit, l'évolution ne repasse pas les plats. Donc, il n'y aura pas de vie humaine. Il y aura sans doute de la vie, autre chose. Il a dit, s'il y a de la vie, il faudra que ces fils de Dieu soient sauvés. Donc, il avait dit que Jésus était descendu sur toutes ces planètes
pour sauver les hommes. Et s'il y avait 1 million de planètes, il y avait eu 1 million de crucifixions, 1 million d'immaculées conceptions, etc. Ça, l'Église n'a pas aimé. Donc, il y a longtemps qu'on discute du sujet de la vie sur les planètes. Fontenelle, qui vivait sous Louis XIV ou Louis XV, je ne sais plus, a écrit tout un machin sur la pluralité des mondes habités. C'est un problème qui perturbe, enfin, qui travaille beaucoup de gens. Et donc, si on trouve de la vie sur Mars, même fossile, ça sera une nouvelle extraordinaire. Que dans la presse, on lit souvent aussi la question de l'eau sur Mars, oui. qui est en grande partie associée à cette question d'est-ce qu'il y a de la vie. Voilà, aussi. Alors là, vous voyez, cette photo-là, c'est un dessin où le dessinateur a dessiné des calottes blanches, c'est de la glace, qui s'était grande l'hiver, petite l'été. Ça date de 1666, sous Louis XIV. Depuis Louis XIV, on sait qu'il y a de la neige ou de la glace sur Mars, c'est-à-dire de l'eau solide. Mais il y a encore des journalistes qui ne le savent pas. Non, l'eau sur Mars, c'est plus un problème. Alors, c'est blanc. Ça peut être autre chose que de la glace. Mais à l'époque, on ne connaissait pas. Maintenant, on pourrait dire que ça peut être de la glace carbonique. Mais à l'époque, on ne connaissait pas. Tout rigueur, on pourrait dire que c'est du blanc d'œuf battu en neige. Donc, glace carbonique, du coup, du CO2, dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone, mais on ne connaissait pas sous Louis XIV. Hein. Pour du blanc qui changeait de taille avec les saisons, à l'époque, ça pouvait être que de la neige ou de la glace. On a eu la preuve que c'était de H2O gelé en 1964 par des études spectrales faites depuis la Terre. Et de l'eau, est-ce qu'il n'y en a qu'au niveau des pôles ? Alors, il y a de la glace au niveau des pôles, mais tous les matins, Mars est blanc de givre. Dès que le soleil... Givre d'eau. Ouais. Dès que le soleil se lève, la température la nuit est moins 50, à peu près. Quand le soleil se lève, la température va passer à moins 10. Et la fine couche de givre se sublime, c'est-à-dire passe directement de la glace à la vapeur. Est-ce qu'on a toutefois de l'eau sous forme liquide, alors, de manière permanente ? Non. Pas forcément en surface. En surface, il n'y en a pas. Mais alors, d'abord, il y en a eu, parce qu'on voit des formes, plein, je pourrais vous parler de plein de choses géologiques qui prouvent qu'il y a eu. Le plus simple, c'est qu'on voit des vallées sèches, comme on voit dans le désert. Hein. Et il y a de l'eau en profondeur. Il fait en moyenne moins 50 degrés en surface. Mettons que la température augmente de 10 degrés par kilomètre de profondeur, donc trois fois moins que sur la Terre, parce que c'est plus petit. Mais il suffit de descendre à 5 degrés, à 5 kilomètres de profondeur, ou même moins. Et l'eau est à 0 degré. Et l'eau à 0 degré, ça gèle. Si cette eau est salée, la glace, très salée, ça gèle à moins 20. C'est-à-dire, on a besoin de... Et s'il y a certaines substances, comme des perchlorates, qu'on sait qu'il y a à la surface de Mars, l'eau pleine de perchlorates, ça gèle à moins 70. Et on a découvert, il y a quelques années, par des études radar, sous la calotte polaire sud, alors c'est sous 3 km de glace, mais apparemment... Il y a quelques lacs liquides sous 3 km de glace. Sous les calottes polaires. Sous la calotte sud. Il y a que là qu'on en a trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas sur la calotte nord. Hein. Voilà. Donc, et d'ailleurs, sous la calotte antarctique ou sous la calotte du Groenland, il y a également des lacs sur Terre. Et donc, il y aurait des lacs sous la calotte polaire sud et des lacs assez grands, hein, du genre au moins le lac du Genève, le lac du Bourg. Voilà, des grands lacs. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'il y a là-dedans, il y a de la vie ? Évidemment, on n'en sait rien, et on n'est pas prêt de le savoir, parce que pour les atteindre, c'est là que ça ne sera pas forcément facile. Et donc on a potentiellement l'eau liquide aujourd'hui à une certaine profondeur. Oui. Autrefois, on en a eu en surface, et c'est là qu'en tant que géologue, vous intervenez, vous pouvez interpréter des traces de présence d'eau, et y en a ces traces, des qu'est-ce que ce sera ? Ce sera quoi, par exemple ? Alors, tout dépend si vous êtes par terre, au sol, ou si vous êtes en espace. Si vous êtes un espace, vous voyez des vallées, vous voyez des deltas, etc. Persévérance, qui se pose jeudi, donc, va se poser au bord d'un grand delta. Il y avait une rivière qui arrivait dans un lac. Il va se poser dans la plaine, juste au bord du delta. Il ne va pas se poser sur le delta parce que c'est un peu chaotique. Et si tout va bien, il va s'approcher du delta et voir comme ça. Et là, on devra avoir des sédiments. On aura des sédiments, mais on a déjà plein de photos de sédiments avec des strates, etc., vues de l'espace. Et ensuite, quand on est au niveau du sol... On voit toutes les indications qu'il y a eu de l'eau, par exemple des lits de galets arrondis, qui montrent que la mer roulait ses galets. Une chanson de je ne sais plus qui sentait ça. Charles Trenet, je crois. Peut-être Charles Trenet, voilà. ça lui ressemble. Voilà. Donc il y a de l'eau, pas forcément la mer, ça peut être un torrent qui roulait des galets sur Mars. On trouve des strates obliques, on trouve absolument tout, un faisceau
Alors, qu'est-ce que vous appelez des strates obliques? Quand vous avez une rivière qui coule à peu près à plat, hein, et puis si elle arrive sur un petit escarpement, elle va déposer sur cet escarpement le sable si elle emporte. Et le sable va tapisser l'escarpement, et puis la crue d'après, une couche de peu, une couche. Et au lieu d'avoir des strates horizontales comme d'habitude, on a des strates obliques qui se... Ok, comme des diagonales finalement. Qui... Voilà, c'est vrai. Et comme voit ça, on sait même dans quel sens coulait le courant. Il y a des endroits, je peux vous dire, le courant allait de gauche à droite, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On voit des fois ce qu'on appelle des fentes de nidification. Donc liées à l'assèchement. Voilà, tu as une mare qui s'assèche avec de la boue. Et bien, de temps en temps, on voit des craquelures plus ou moins hexagonales qui montrent que cette boue asséchée. Donc il y a absolument aucune espèce de problème. Alors s'il y a un problème, c'est qu'il y a vraiment une convergence morphologique totalement ahurissante. Mais bon, il faut se méfier. Mais... Et probablement l'eau était extrêmement salée. Enfin, il y a plusieurs formes de sels minéraux dedans. Voilà. Est-ce que ces sels, justement, pendant un assèchement d'une mare, vont laisser des traces justement? Alors, est-ce qu'on retrouve ça? Il y a des endroits où on a trouvé dans la vase, qui est devenue dure, des formes de cristaux. Qu'on peut trouver pas très loin d'ici, dans le Trias, l'équivalent. Cette eau qui a déposé des sels, ces sels en question, c'était des sulfates. Et même des sulfates de calcium, hydratés. Et ça forme des petits cristaux, cette taille-là, un peu losangiques, que le géologue appelle pseudomorphoses. Et il y a des pseudomorphoses de gypse, et encore du gypse, sur Mars. On trouve des filons avec de l'eau qui a circulé, qui a déposé des cristaux, là qu'on trouve encore. Ça a été analysé automatiquement... Du gypse, c'est une molécule qui contient en poids, si vous prenez un kilo de gypse, il y a même bien sec, vous l'avez fait bien sécher, il contient encore 112, de mémoire, grammes d'eau. Parce qu'il y a très hydraté quand même. Dans la molécule de gypse. Donc si on voulait vivre sur Mars et avoir de l'eau à disposition, il suffit de prendre du gypse et chauffer à plus de 120 degrés. Mais c'est une expérience que je fais tous les ans à mes étudiants. On prend un peu de gypse dans un tube à essai, on met le tube à essai sur un bec de gaz, camping gaz par exemple, on voit que le gypse crépite un peu, alors on ne voit pas la vapeur d'eau qui s'échappe parce que la vapeur d'eau est un gaz invisible, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, mais qu'elle arrive au bout du tube, il fait beaucoup plus froid, on voit qu'elle se condense et il y a plein de petites gouttelettes d'eau qui se déposent à l'intérieur du tube sur la partie froide. Donc il n'y a pas de problème, il y a un film Seul sur Mars où le héros, Matt Damon je crois, voulait avoir de l'eau pour cultiver ses patates, ce qui est bien. Et pour ça, alors, il prend du carburant de fusée qu'il décompose. C'est une façon d'avoir de l'eau. Mais bon, ça n'a pas loupé, ça a sauté. Il aurait été un peu... Il était botaniste, monsieur, dans l'histoire. Il aurait été un peu géologue. Et ben, il aurait pris du gypse, s'il y en avait là où il était. Il l'aurait chauffé. Il avait toute l'énergie du monde. Il avait un petit réacteur nucléaire. Donc, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il aurait eu son eau, etc. Sans compter que tous les matins, il y a du givre. J'ai fait un calcul, alors je n'ai pas révisé. Vous mettez un grand drap. Alors, il en avait un grand drap parce qu'il a trouvé le parachute de je ne sais plus quelle mission dans l'histoire. Donc, plusieurs dizaines de mètres carrés. Tous les matins, ça se recouvre de givre. Alors, il n'y en a pas épais. Mais vous récupérez ça avant que ça se sublime. Vous le mettez dans la station pour que la pression le permette au liquide. Parce que dehors, il n'y a pas cette pression. L'eau ne peut pas être liquide. Mais dedans, là où il habitait, ça pouvait. Et vous récupérez votre eau de condensation. Je sais pas, j'avais fait le calcul. Pouvoir récupérer ça... mettons 100 grammes par jour, avec un grand parachute. Et comme il n'y avait pas de fuite, il la buvait, mais comme il récupérait son urine et tout ça, ce qui consommait beaucoup d'eau, c'était les patates, quand même. Ouais. Et sur ce, il récupérait l'eau d'évaporation des patates. Hein. Il était dans un système clos. Mais il y avait toujours des fuites, il avait un problème même. Donc l'eau n'est pas un problème sur Mars. Alors justement, ces traces d'eau, donc, il y a des traces d'écoulement d'eau, d'évaporation. Mais elle date de quand, toutes ces traces? Est-ce que c'est plutôt récent sur l'échelle de l'histoire géologique de Mars? Le givre, tous les matins. Donc ça, c'est tous les matins. Voilà. Les calottes polaires qui changent de taille. Alors, la partie qui change de taille, ce n'est pas de l'eau. Les calottes sont de la glace d'eau, mais elles ne bougent pas beaucoup. Mais tous les hivers, elles se recouvrent de glace carbonique. Et tous les printemps, la glace carbonique disparaît, il ne reste plus que l'eau. Donc, glace carbonique, ça a combien de degrés pour qu'il devienne solide? Moins 60 et quelques... Voilà. Ça dépend de la pression, comme toujours, mais c'est moins 60 de température, 70, je crois, à la pression martienne. C'est peut-être moins 80, je n'ai pas vérifié. Du coup, on a ce phénomène actuel de calotte glaciaire, voilà, de calotte d'eau. Mais pour ce qui est des anciennes rivières, alors, on a pu voir les traces. C'est tout le problème, comment date-t-on les choses sur Mars?
Est-ce qu'on peut dater des échantillons ou ah ben, on peut dater des échantillons, on sait très bien faire dater des échantillons, à condition d'avoir des appareils qui font plusieurs centaines de kilos. On fait ça dans n'importe quel laboratoire, mais on ne fait pas ça avec une fusée. C'est pour ça qu'un des buts de la mission Persévérance, c'est de récupérer des échantillons, les stocker dans un conteneur, les mettre dans un coin, et dans une dizaine d'années, si tout va bien, une mission aura pour but d'aller les chercher. Et là, on pourra les ramener sur le terrain en France, enfin sur le terrain en Europe, aux États-Unis. Ce sont une mission européenne, américaine, hein, les deux. Et on pourra les dater. Alors sinon, on a des astuces. Prenez une surface. Il tombe des météorites. Bon. Si la surface est toute jeune, mettons une éruption volcanique qui a eu lieu l'an dernier, ben, il n'y aura pas beaucoup de cratères. Il n'y aura même pas du tout de cratères de météorites dessus. Si votre coulée volcanique est là 3 milliards d'années, il en sera tombé beaucoup. Donc en comptant les cratères de météorites, on a une idée de l'âge relatif des terrains. Donc plus il y a de cratères, plus il y a des chances que ce soit ancien. Plus c'est vieux, moins de cratères, moins c'est vieux. Avec un problème, c'est que l'érosion sur Mars, ça peut enlever des cratères. Sur la Lune, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'érosion. Sur Mars, donc il faut faire des correctifs. Donc on peut classer, ça c'est jeune, ça c'est vieux. En toute rigueur, même si ce n'est pas le terrain, c'est la surface. Sur la Lune, on y est allé. On a ramené des cailloux qu'on a datés. Et là, comme il n'y a pas d'érosion, on peut voir tant de milliers de cratères par million de kilomètres carrés, ça veut dire tel âge. Donc ça devient référentiel. Voilà. Alors ensuite, il faut faire tous les correctifs pour passer de la Lune à Mars. La gravité de Mars est plus forte, donc ça attire plus. On est plus près de la ceinture des astéroïdes, mais il y a de l'érosion qui enlève. Alors grosso modo, c'est pour ça qu'on dit cette surface sur Mars, elle a 3,5 milliards d'années, plus ou moins 500 millions. On dirait des prédictions du gouvernement pour les doses de vaccins. Sauf qu'eux, ils ne disent pas tant, plus ou moins telle dose, ils disent ça sera comme ça. Et puis ils changent leur verdict toutes les semaines, parce qu'ils sont incapables d'avouer qu'ils ne savent pas, eux. Et donc dans l'histoire géologique de Mars, c'est ancien déjà, c'est 3 milliards vieux, on va dire autour entre 3 et 4 milliards d'années. Parce que l'âge de la Terre, c'est environ 4,5 milliards d'années. C'est pas environ, Mars, on est quelque chose de similaire ou... Voilà, c'est pas environ, l'âge de la Terre est connu à moins de 100 millions d'années près. Hein. La Terre elle, s'est faite très vite, comme toutes les planètes. Je dis souvent rigolant qu'il a fallu moins de temps pour faire la Terre que pour faire les Alpes. L'histoire du Beaujolais qui existe depuis 300 millions d'années, la Terre s'est faite en largement moins de 300 millions d'années. Et Mars s'est fait exactement au même moment, si on ne se trompe pas dans les façons dont on imagine l'origine du système solaire. Pendant les 500 premiers millions d'années, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, parce qu'il y avait plein de bombardements de météorites, mais disons, depuis 4 milliards d'années, on sait bien ce qui s'est passé. Et disons, pendant un petit milliard d'années, il y a de l'eau qui a coulé sur Mars, il y avait des rivières, des lacs, etc. Et donc pendant un certain nombre de millions, milliards d'années Pas milliards, un certain nombre de dizaines, voire de centaines de millions d'années. En tout cas, fut un temps, Mars avait des similitudes avec la Terre, et aujourd'hui, c'est quoi la différence fondamentale entre les deux? C'est la pression atmosphérique. Pression atmosphérique, et même du point de vue de la tectonique, est-ce qu'il y a encore... On sait qu'il y a des volcans sur Mars. Alors voilà. Est-ce qu'ils sont encore actifs, contrairement alors, à la Terre? Non, alors les dernières éruptions, on va dire que c'est mort ou mourant. Les dernières éruptions, avec ces méthodes de datation qui valent ce qu'elles valent, c'est, on va dire, 100 millions d'années. Pas vieux, 100 millions d'années, c'est l'époque des dinosaures, c'est-à-dire très jeune. 100 millions d'années par rapport à 4 milliards d'années, c'est quelques pourcents. Y a un sismographe qui s'est posé sur Mars, la mission InSight, qui marche encore. Cette mission a ressenti quelques tremblements de Mars. Donc il y a un peu d'activité. Il y a encore un peu d'activité. Beaucoup moins que sur la Terre, c'est sûr, mais Mars est mort ou mourant. Au point de vue interne. On n'a pas. Et il n'est pas exclu qu'il y ait encore quelques petites éruptions volcaniques, ou tout au moins des sources chaudes, ou choses comme ça. D'accord. Donc des planètes avec du volcanisme actif, volcanisme de cailloux, hein, je ne parle pas des planètes en glace, on a trois dans le système solaire, la Terre, Vénus et Io. Donc peut-être que dans 10 ans, en tout cas, on aura des échantillons de basalte, donc de roches volcaniques de Mars, qu'on pourra ramener sur Terre et enfin normalement, dater. Normalement, la mission Persévérance se pose à côté d'un delta. Et ce delta est entouré par des coulées de basalte. On ne sait pas trop si les coulées de basalte sont sous le delta ou si elles ont coulé et entouré le delta, justement. On verra mieux quand on sera plus près. Et on va évidemment essayer de ramener des basaltes et on pourra savoir l'âge qu'ils ont. Et si en plus, on voit par exemple que le delta est sur le basalte, on sait qu'il est à côté, mais ça c'est le delta, ça c'est le basalte, est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est comme ça? On connaît la limite, mais il faut la voir de près. Et si, par exemple, on voit que le basalte est plus jeune que le delta,
Mais sinon, il y a des volcans qui ne sont pas vieux. Hein. Le mont Brouilly, qui est fait de roches volcaniques, est plus vieux que certains volcans de Mars. Le mont Brouilly n'est pas un volcan, il est fait de roches volcaniques. C'est trompeur, oui. Et juste pour revenir sur la question de l'eau liquide, est-ce qu'il y a besoin d'eau liquide? Est-ce que l'absence de liquide est-elle favorable à l'apparition de la vie ou est-ce qu'on peut s'en passer? Alors, est-ce que la vie peut s'en passer? Les biologistes... Non, la vie, c'est une réaction chimique qui se forme et qui doit réagir à quelque chose, par exemple une bactérie terrestre qui, par exemple, n'aime pas l'oxygène. Il y a plein de bactéries qui n'aiment pas l'oxygène. C'est pour ça qu'on met de l'oxygéné pour désinfecter. Elle a des capteurs. Si elle sent qu'il y a de l'oxygène par là, elle va de l'autre côté. Donc la vie réagit à son environnement. Vous, si vous mettez la main sur une plaque chaude, vous l'enlevez. Donc il faut des réactions chimiques qui se passent assez vite. Donc pour se passer assez vite, il faut que ces réactions chimiques se fassent dans un liquide, dans un solvant. Des réactions chimiques à l'état solide, ça existe, mais ça se fait très lentement. Très, très lentement. Donc on imagine un liquide. Il faut un solvant dans lequel il y a des réactions chimiques. Un tube à essai dans lequel on fait des choses. Alors il y a plein de solvants possibles. Il y a l'eau, il y a l'ammoniac, il y a le méthane, l'alcool, etc. Mais dans l'univers, la molécule potentiellement liquide la plus abondante, et de loin, c'est l'eau. C'est la deuxième molécule en abondance dans le monde, dans l'univers. Pardon. Donc l'eau est très abondante, beaucoup plus, par exemple, que l'ammoniac ou le méthane. Et deuxièmement, l'eau est beaucoup plus dissolvante que le méthane ou que l'ammoniac, parce qu'elle a des propriétés chimiques, et les choses qu'elle ne dissout pas, parce que c'est des molécules polaires, par exemple, elle peut les suspendre, ça fait des suspensions. On peut faire une mayonnaise parce qu'on met des micro-gouttelettes d'eau en suspension, d'huile en suspension dans de l'œuf. Et donc l'eau, c'est le plus abondant et c'est le meilleur. Voilà. Alors, on peut imaginer des vies sans eau, mais pourquoi faire simple quand on fait faire compliqué? Ça, c'est la devise des polytechniciens, des politiciens qui préfèrent la complexité. Mais la nature, en général, préfère la chose simple. Donc, pour faire compliqué, quand pour faire simple. Donc, sur ce, actuellement, le problème sur Mars, c'est qu'en surface, il n'y a plus d'eau liquide. Et il ne peut pas y en avoir parce que la température et la pression ne le permettent pas. Il peut y en avoir en profondeur, et ça a été le cas en surface. Mais on peut imaginer plein de choses dans d'autres planètes. Par exemple, sur Titan, qui est un satellite de... Saturne. Saturne, bravo. Il y a des lacs de méthane. Et le méthane est un solvant des lacs liquides. Et on pourrait, à moins 180 degrés, mais enfin bon, on pourrait imaginer des réactions chimiques en solution dans le méthane. Pourquoi pas? Mais il faut se méfier, la vie a beaucoup plus d'imagination que les biologistes. Souvent, je donne un exemple, la radioactivité, par exemple, coupe les molécules d'ADN, casse les molécules d'ADN. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas morts d'Hiroshima à cause de l'explosion, ils n'étaient pas beaux à voir quelques jours plus tard. Eh bien, on a trouvé dans des centrales nucléaires des bactéries, qu'on appelle Deinococcus radiodurans, qui résistent à des doses de radiation, mais qui vous tuent un bonhomme presque instantanément, parce que ces bactéries ont, depuis toujours, des mécanismes qui réparent l'ADN. Alors, ça intéresse énormément les biologistes. Donc, il y a des molécules, des bactéries qui, alors je ne sais pas quel avantage évolutif elles avaient pour trouver ça, mais qui réparent leur ADN pour la radioactivité. Il se pourrait très bien que même avec des protéines, il y ait des protéines qui ne coagulent pas. Par exemple, le blanc d'œuf qu'on fait coagule très vite. J'aurais dit, quand je passais la Grègue en 77, qu'il y avait de la vie qui mourait de froid à 90 degrés, qui était vachement bien à 110, le prof a dit que ce n'était pas possible. Tout le monde sait que les protéines à 110 degrés, il y a des protéines qui ne sont pas coagulées à 120. Donc, il faut se méfier. Hein. Donc, on peut imaginer un jour qu'il y a un forage sur Mars, qu'on atteigne justement ces profondeurs où on peut trouver un solvant, voilà, qui peut être de l'eau ou autre chose. De l'eau, probablement, il y a beaucoup d'eau sur Mars. Puis le problème, par exemple, d'autres solvants, par exemple, vous prenez le méthane, c'est pas à moins 0 ou à moins 20 degrés qu'il est liquide. Ça sera à moins 180. Donc, il faudra aller sur Titan. Il n'y aura pas de méthane liquide sur Mars, il fait trop chaud. Donc, si, en tout cas, si on veut chercher une trace de vie, c'est là qu'il faut aller. Il faut creuser. Faut creuser. C'est...
C'est pas un projet pour le moment, en tout cas. C'est compliqué à mettre en œuvre. Tout dépend. Des traces de molécules, il n'y a peut-être pas besoin de creuser beaucoup, mais ce ne serait pas de la vie vivante. Mars, comment qu'il s'appelle, qui aurait dû partir en même temps, qui aurait dû se poser là, la mission européenne ExoMars, va faire, si tout va bien, un forage de 2-3 mètres, où il pourra voir des choses à l'abri des radiations solaires qui cassent toutes les molécules. Donc, ils pourront dire, il y a des grosses molécules. De là à trouver de la vie vivante à 2 mètres de profondeur, j'y crois pas. Ouais, bien compliqué, ouais. Voilà. Si on veut trouver de la vie vivante facile, c'est pas sur Mars qu'il faut aller. C'est des endroits où il y a de l'eau liquide qui sort tout seul. Et on a des exemples comme ça dans le système solaire. Il y en a deux. Ouais. Un satellite de Saturne qui s'appelle Encelade et un satellite de Jupiter qui s'appelle Europe où il y a des geysers. Donc il y a des geysers qui sortent. Évidemment, dès qu'ils sortent dehors, il fait moins 200. Ça gèle tout de suite. Mais vous allez à la sortie d'un geyser. Vous mettez un filet à papillons, enfin, un filet à micro-organismes. Et c'est... Alors, il y a des missions qui sont prévues sur Europe et Encelade, disons, dans les quelques décennies qui viennent. Parce que, alors, il y aura des problèmes techniques terribles, en particulier Europe, il est dans les ceintures de radiation de Jupiter. Donc, s'il y a de la vie qui sort dehors, elle sera tuée par les radiations. Mais l'électronique des sondes aussi. Ah, ouais, ça devient compliqué. Donc, il faudra de l'électronique blindée. Donc, il y a des problèmes techniques, mais... J'espère que de mon vivant, on pourra dire... On pourra trouver des solutions, peut-être. Voilà, qu'il y a de la vie sur Encelade ou sur Europe. Ça sera plus facile, parce que ça sort tout seul. Alors, il y a des problèmes techniques, se poser également là-bas, bon, on y arrive. Alors, sur Mars, il faut aller la chercher. Mais il y a moyen de trouver, elle sera morte, comme si vous avez une grosse météorite qui est tombée il n'y a pas longtemps, qui a fait un trou de 10 km, un cratère de 10 km. Un cratère de 10 km, ça fait 1 à 2 km de profondeur. En cherchant dans les débris autour, on verra peut-être... des fossiles, ou de la vie qui était vivante, et hop, qui a été congelée, comme ça. Donc, aller chercher, moi, j'irais bien dans les cratères gros et récents. Récents, très récents, oui. Pour fouiller dans les déblais, dans les débris, les éjectats. Peut-être qu'on verra ça dans les années à venir, alors. Merci de votre temps pour cette interview.